Vendredi soir, nos U21 recevaient ceux de Zulte Waregem à l'Académie. Et ça démarre mal pour nos espoirs. Troisième minute, Krin part en profondeur, gagne son duel face à Bodard et n'a plus qu'à ouvrir la marque. 0-1, nos jeunes sont cueillis à froid. Les hommes de Mozgovoy ont l'intention de ne pas traîner pour réagir. Lancé flanc droit, Boutrif adresse un centre qui atterrit dans les pieds de Badi Banga, qui ajuste Willock. Un but partout après seulement 10 minutes. À la demi-heure, Eugenio Pina met à mal son opposant, qui commet la faute dans les 16 mètres. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Un pénalty que Cavaniera va tenter de transformer. Il s'élance et calmement prend le gardien de Zulte à contre-pied. Après 30 minutes, nos espoirs ont déjà inversé la tendance. C'est 2-1. Mais Zulte reste dangereux et grâce à ce magnifique arrêt d'Arnaud Bodard en fin de première mi-temps, les Rouches gardent leur avantage d'un but au moment de rentrer au vestiaire. En seconde période, à la 70e, Lyndon Selaï va partir du milieu de terrain dans un slalom géant, résister à la charge de plusieurs joueurs, effectuer un grand pont et donner un ballon sur la gauche à Frixe, qui centre en un temps vers le second poteau où se trouve Boutrif, qui vient conclure cette superbe action. On revoit ici l'effort de Selaï qui passe en revue l'axe de Zulte Waregem avant d'isoler Frixe, qui voit parfaitement où mettre le ballon. Trois buts à un, le break est fait pour nos espoirs qui ne comptent pas s'arrêter là. Monté au jeu quelques minutes plus tôt, Fadel Gobitaka arme une frappe puissante qui finit sa course dans le plafond. 4-1, l'addition devient salée pour Zulte Waregem. Et ce n'est pas fini, Gobitaka, plus rapide et plus frais que la défense adverse, se fraye un chemin vers le but, croise sa frappe et vient entériner ce score de 5 buts à 1 de la plus belle des manières. Sous la houlette d'Alexandre Mozgovoy, nos U21 continuent leur sans-faute en championnat. Après 6 journées, 100% des points ont été pris.